Voilà, chers abonnés, lorsqu'on arrive chez un apiculteur en France, voilà comment il nous reçoit. Avec du bon miel, le bon miel français. On va le déguster, je vais le déguster et vous dire comment c'est. Ça, c'est un bon miel d'acacia. Donc, on va découper. Je vais juste prendre un petit morceau, hein. Pas assez. Voilà. Voilà. Voilà le miel, comment il est. Bien opérculé, bien mature. Donc, je vais tout simplement le déguster. Observez, ça c'est le miel de la hausse. La hausse, c'est cette partie supérieure de la ruche où les ouvrières partent stocker du miel. Et généralement, le miel extrait dans cette hausse est toujours propre. Très clair, pourquoi? Parce que la reine n'y pond pas. Les larves ne se développent jamais dans ces alvéoles. Du coup, les alvéoles sont réservées exclusivement pour le stockage du miel. C'est pourquoi il est propre, comme vous êtes en train de boire. Donc là, c'est un miel de France. Dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires en ce qui concerne la qualité de ce miel. Pour ceux d'entre vous qui aimeraient se faire former dans la production du miel, l'apiculture, je vous donne rendez-vous du 16 au 17 novembre dans la ville de Cham pour la 15e session de formation des nouveaux apiculteurs professionnels africains. Ce jour, je vais vous amener dans l'univers apicole pour vous montrer comment on se bâtit un matelas financier grâce aux abeilles. Donc, si tu n'as pas encore réservé ta place, c'est le moment de le faire parce que il ne reste plus que quelques places. Et après la formation en apiculture de Cham, je te donne rendez-vous le 24 novembre à Yaoundé pour une formation sur la création de contenu et le montage vidéo. Après la formation de Cham, nous irons du côté de la Côte d'Ivoire à Abidjan pour la même formation le 1er décembre. Donc, si tu n'as pas réservé ta place, clique sur un des liens en commentaire, tu remplis le formulaire qui s'y trouve et un membre de nos équipes pourra te contacter pour te donner toutes les modalités pour participer à cette formation. Et on se dit à très bientôt.